On va y aller comme ça. Elle, du coup, elle a perdu son père. Ma faute. Mais peut-être qu'il serait mort dans tous les cas, hein, en vrai. Hein. Peut-être que si je lui avais ouvert la porte, il se serait fait tirer dessus par un des mecs ou quoi, je sais pas. Oh! Oh putain, j'étais pas prêt là. J'ai battu mon record. Bravo, championne. Du coup, je pense que c'est le dernier épisode, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a que 6 chapitres et que là, du coup, on est rendu au 6e. Hey, C'est peut-être le 5, je sais pas. Lunettes. Merci. Zoé, c'est ça? Tu travailles à la cafette, non? Désolée, c'est pas moi. Si, je te reconnais. C'est toi qui fais J'ai fait quoi pour avoir une conséquence là? De viande. Ton collègue, par contre, il est trop radin sur la marinara. Je travaille plus là-bas, en fait. Oh, désolée. Dis, ce que tu faisais sous l'eau tout à l'heure, je peux te demander pourquoi tu retiens ta respiration comme ça? Il y a des gens qui méditent. Moi, je préfère couler au fond d'une piscine. Je veux arriver à tenir au moins 2 minutes. J'étais presque pour le coup de terre. Ça a l'air un peu extrême. Pourquoi tu fais ça? Sensation de contrôle. Sous l'eau, il n'y a personne pour veiller sur moi. Ça m'oblige à prendre les choses en main et à me contrôler. Mais tu dois te sentir un peu seule, non? C'est bien ça qui me plaît. Il faut que je rentre. Écoute, je sais qu'on se connaît pas, mais je le sens quand les gens ont besoin d'aide. Il y a quelques années, ma mère est tombée malade. Je passais toutes les nuits à son chevet à l'hôpital, à me demander si elle allait s'en sortir. Et tout ce dont mes amis avaient envie de discuter, c'était les devoirs et les garçons. Il y avait personne qui comprenait vraiment ce que je traversais. Et puis j'ai fini par me rendre compte qu'en fait... Il y avait toujours quelqu'un pour m'écouter. On dit merci et on se tire, je crois. Puisqu'elle va croire qu'on l'écoute pas et tout. Ok. Peut-être. Demande à me voir. Mon nom c'est May. Avec un Y. C'est noté. Mais pourquoi, pourquoi Jay serait revenu, genre, en plus surtout qu'il est censé être au Canada maintenant? Enfin, non, on n'y est pas encore, mais... Montana. Ah oui, bah oui, d'accord, ok, oui. Ah bah oui, en fait, oui, du coup, il y a eu le temps de Jay, il a pu faire de la D depuis... C'était 14 ans plus tard. Quoi? Pendant que tu changeais les plaques de la voiture, je voulais prendre de ses nouvelles. Est-ce que tu lui as dit... Non, non. J'avais juste besoin d'entendre sa voix. Elle commence à regretter son choix ou... Ok, Canada Border. 260. Ouais, c'est ça qu'il a. On va passer la frontière à pied. Je suis vraiment pas fan de rando. Mais bon,
il faut bien que je m'adapte, hein. J'ai pas le choix, je suis une criminelle recherchée maintenant. T'es pas une criminelle, tu aides un ami, c'est tout. T'as suivi le procès Simpson ? De quoi ? O.J. Simpson, le joueur de football américain accusé d'avoir tué sa femme parce qu'elle couchait avec un serveur. Je regarde pas trop la télé. Enfin bref, tout le monde a une face cachée, c'est ça que je veux dire. Qui sait de quoi on est capable après tout ? Si ça se trouve, on est tous des tueurs en puissance en fait. Ouais, pourquoi pas. Si je lui dis pas du tout, ça va casser l'ambiance, vas-y. Peut-être bien. On peut être capable de tout, quand on est désespéré. Même de tuer ? Oui. Si on a une bonne raison. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les tueurs du Desert Dream qui ont cambriolé la maison du shérif de Turok avant de se réfugier dans le motel qui est devenu le théâtre d'une épouvantable... Attends, c'est toi qui parles ? Ouais, mais j'ai pas envie d'écouter. Moi si. Décrivent Jay Holt comme un ado déscolarisé, discret et mal dans sa peau. On dirait que c'est un crime d'arrêter l'école. Holt est accompagné d'une complice, Vanessa Dorland, âgée de 16 ans, probablement armée et dangereuse. Si vous voyez l'un de ces criminels, appelez immédiatement la police et... Rien que des mensonges, hein. En vrai, on peut lui dire désolé aussi, mais rien que des mensonges là pour le coup. Il déforme complètement l'histoire. T'es pas dangereuse. Et moi non plus. Quand même, j'en reviens pas qu'on parle de nous aux infos. On va déjà essayer d'aller au Canada. D'accord ? Ouais, d'accord. Il va se passer de la vie. Oh là là, oh là là. Oh, aïe aïe aïe. On va avoir un choix à faire sur les réponses. Ça risque d'être des... Oh là là, mais aucune chance qu'on passe là. Merde. Oh la dinguerie. Ok, bon, panique pas. Ça va le faire. Oh, ça va être de la D là. Aïe aïe aïe. Y'a un souci, monsieur l'agent ? Simple contrôle d'alcoolémie. On m'a chargé d'intercepter les conducteurs alcoolisés qui reviennent du River Palooza. Alors, on faisait la bringue ? Non, monsieur. On est juste de passage. En provenance d'où ? Salt Lake City, Arizona, ce serait trop cramé. Salt Lake City, hein. Vas-y, je suis poussé, vas-y. On était à Salt Lake City. On est en voyage. Pour... avec notre paroisse. Ah oui, laquelle ? Les Saints des Derniers Jours. Le Livre de Mormon, vous connaissez ? Enfin bref, il faut juste ton permis et la carte grise, et puis ce sera bon. J'attendais en soir, fouiller la boîte... bah... Non, c'est pas... J'attends de les recevoir, on va dire. Je les ai pas encore reçus. Je viens juste de faire la demande. Et les documents provisoires ? Oh, vous savez, l'administration, ils en manquent pas une, hein. Hé, hey, c'est le boulot de ma mère. Et t'as bien raison. Je vais juste vérifier la plaque. Ouf. Heureusement que j'ai pas fouillé dans la boîte à gants. J'ai une plaque à vérifier. 3P2157T. Oh, matriculé dans le Montana. Merde, il va capter d'une minute à l'autre. Quoi encore ? Y a pas moyen de faire ça manuellement ? Il faut pas qu'on reste là. Non, non, non. Euh...
Attends, puisque si on démarre en trombe, ça va être de la D. Genre, on va s'attirer des problèmes de ouf. Mais si on attend le policier, il peut se passer aussi de la D. Mais là, a priori, ça marcherait pas le truc. On va attendre, on va attendre. A priori, c'est pas censé marcher. Je peux vous expliquer. La base de données est encore en panne. Il va être beau l'an 2000, c'est ce Voilà. qu'il dit. Ok, heureusement. Bon, je vais me contenter d'un avertissement. Mais la prochaine fois, oublie pas ton permis. Entendu, monsieur l'agent. Allez. C'est ça. Vu qu'on a entendu qu'il y avait un problème de machinerie là-bas, on a bien fait d'attendre. Si j'étais parti en trombe, ça aurait été, ouais, là, ça aurait été la merde. Bon, on s'en sort bien. On dirait. Avec Craig, on a enfin décidé de se marier. On est fiancés. Oh. Je sais bien que t'es pas sa plus grande admiratrice, mais on est bien ensemble. Ok, c'est Michel, donc c'est la mère là. Je sais que t'es pas. J'aimerais qu'on s'entende mieux. Je sais que t'es pas. Vas-y, j'aimerais qu'on s'entende mieux. Hein. Si t'es heureuse, moi aussi. D'accord. Bref, on organise une petite fête ce week-end pour fêter ça et ça nous ferait très plaisir que tu sois là. Évidemment que je serai là. Je t'aime. Mais, tu sais, Craig et moi. Enfin, c'est juste que c'est pas papa. Je sais, ma chérie. Alors, comment ça se passe, le boulot? Je suis sûre que t'as impressionné le patron. On peut dire ça. Comment ça? Tout se passe bien, non? Ah mais non, du coup apparemment, attends, je sais pas. Ça se passait pas bien au travail. Elle m'a tiré ou... Je sais pas, je vais mettre ça se passait pas bien au travail. Pour être honnête, maman, ça se passait pas très bien au travail dernièrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as arrêté? En fait, on m'a remercié. Zoé, comment tu vas faire sans travail? Je vais me débrouiller, maman. J'ai déjà plusieurs pistes. T'inquiète pas. Je suis ta mère, c'est normal que je m'inquiète, tu sais. Zoé? Désolée, maman. Il faut que j'y aille. Mais pourquoi Jay voudrait... Mais non, je pense vraiment pas que ce soit... Enfin, je comprends pas. Sûrement, il va se passer des choses que... J'ai mis l'autre flacon. Il faut aller à la table de nuit, non, c'est là. Tiroir. Hein. De quoi? Fermer le robinet, fouiller le placard, allumer la lumière, fouiller les poches du tablier. Allume la lumière déjà. Mince. Oh putain. Ouais, mais si je ferme le robinet, je sais pas, je sens qu'il va se passer de la D, hein. Je te jure, je laisse le robinet couler.
Putain, ça doit être horrible quand même ce qu'elle vit là. Dites-moi que je suis réveillée cette fois. Allez, réfléchis, Zoé. Où t'as bien pu les mettre? Ah, la D. Qui est là? Bah non, mais reste à l'intérieur. Pourquoi tu veux regarder dans le couloir? Tu vas ouvrir, il va se passer de la D. Mais ça a l'air d'être Jay hein, pour le coup qui rôde là. Allô? C'est moi. Zoé. Je sais qu'il est tard, mais j'aurais besoin d'une oreille compatissante. Je peux venir? Oh, eh ben, c'est-à-dire que j'ai comme qui dirait un petit souci en fait. Quel genre de souci? Monsieur Walker. J'arrive tout de suite. Je vous l'ai dit. Je peux pas laisser mes locataires endommager les lieux. Et moi, je vous le répète encore une fois, j'ai rien abîmé du tout, madame. Monsieur Walker, j'ai vraiment pas le temps pour une autre discussion. Il a pas changé. Hein. Ah, 14 ans d'ailleurs, il est encore vivant. Et ouais, alors qu'il avait la tumeur là, il était censé mourir. C'est vrai ça, qu'il avait la tumeur et qu'on lui donnait pas longtemps à vivre. Et là, 14 ans plus tard, il est toujours là. On a bien fait de le garder en vie. Quelqu'un est entré chez moi et a volé mon portefeuille. Non. Vous avez égaré votre portefeuille. Non, pour le coup, on voulait le tuer. Et c'est vous qui avez cassé la porte. Zoé, il y avait quelqu'un. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre. Il y avait quelqu'un, quelque chose, ça fait du mal. T'as pris quelque chose d'autre, à quoi il ressemblait? Bah, il va pas savoir à quoi il ressemblait. On t'a pris quelque chose d'autre? Oui, mes pantoufles. Ah. Pour l'amour du ciel. Ton grand-père est encore sorti de chez lui en robe de chambre. C'est la troisième fois ce mois-ci. Et quand monsieur s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses clés, il a enfoncé la porte pour rentrer chez lui. C'est n'importe quoi. J'avais besoin de prendre l'air. Alors je suis sorti me promener et j'ai vu quelqu'un et d'un coup, là je me retrouve à me disputer avec Shelby. C'est pas ça mon nom. Zoé, je sais que ça te fait de la peine, mais la santé de ton grand-père décline. Il lui faudrait un auxiliaire de vie ou une résidence médicalisée. Oh, ça va bien maintenant. J'ai besoin de rien du tout. Zut à la fin. Manifestement, on a tous les deux un avis très différent sur ce qui s'est passé. Ah. Quoi qu'il en soit, quelqu'un doit payer pour cette porte. L'assurance ne peut pas payer. Fichez-lui la paix. Bah non, pas fichez-lui la paix, c'est... Elle a plus de sous, elle, on peut pas payer, l'assurance ne peut pas payer. Vous devez bien avoir une assurance pour ça, non? C'est sa porte d'entrée. Il l'a cassée, alors c'est à lui de payer. Papy, tu fais de la D, hein. Elle est culottée, une résidence médicalisée. L'impression d'entendre ta mère avec ses âneries. Va pas le raconter à Shelby, mais je sais que c'est pas moi qui ai cassé ma porte, parce que j'ai toujours une clé de secours sous le paillasson. Sérieux? Tu trouves pas ça un peu risqué? Crois-moi, si tu veux dissimuler quelque chose, le mieux c'est de choisir une cachette bien en évidence. Et toi, comment ça va, ma grande? Quoi de neuf, alors? Moi, ça va. T'as une petite mine. On dirait que tu viens de rentrer de la guerre. Comment ça va, le sommeil? Bon.
Bon, faut lui dire la vérité, hein. Ça se passait bien depuis des mois. Et puis les cauchemars ont commencé à revenir. Et maintenant, j'ai peur de m'endormir. Ah, Zoé. Ça allait mieux il y a quelques mois pourtant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est rien d'important. Je te le promets. Bon, et sinon, à part ça, le travail, ça se passe bien? Je me suis fait virer. J'ai été absente trop souvent. Je l'ai dit à maman. Je te laisse imaginer le naufrage. Oh, là, comme ça, j'imagine le Titanic. Oh, peut-être que c'est pas plus mal, en fin de compte. Tu as toujours dit que tu voulais être journaliste d'investigation. Pourquoi tu passerais pas un diplôme, par exemple? Je sais pas trop, papy. J'ai qu'une envie, c'est de me réveiller sur une plage déserte, plonger dans l'océan, disparaître sous les vagues et ne plus refaire surface. Allons, allons. Oh putain. Croisons ton vieux papy qui a toujours essayé de fuir ses soucis. Où que tu ailles, tu emmènes toujours tes problèmes avec toi. Tiens, je vois plus ma tablette pour aller sur Internet. Oh non, les ordures. Je l'avais eue pour mes 74 ans. Ça te dérange si je fouille un peu? Avec un peu de chance, je trouverai qui a volé tes affaires. Vas-y, je t'en prie. Bon. Le canapé. L'étagère. Porte cassée. Meuble télé, la commode. Ok, on va aller dans le meuble télé. Hein. Papy, tu prends tes médicaments? J'aime pas ça, ça m'embrouille les idées. Non, bah, ça commence bien. Respecter son souhait ou. Non, il faut insister quand même. Surtout s'il reste tout seul. Pas prescrit si t'en avais pas besoin. Tu me ficheras pas la paix tant que je les aurais pas pris. C'est ça. S'il te plaît, fais-le pour moi. Bon, d'accord. Super, bravo mon grand. La porte cassée, la commode, le canapé. Ou l'étagère. Peut-être on va checker le canapé vite fait. Mais j'aimerais bien checker la porte aussi. T'es au courant que ça fait des lustres que tu l'as, ce canapé? Je l'ai acheté en 98. La semaine après, enfin tu sais, quand on est arrivé à Saint-Louis, eh ben figure-toi que plus le temps passe, plus il est confortable. Papy. Non. Tablette. Elle était là. Ouais. Heureusement qu'ils l'ont pas prise aussi, tiens. Enfin, pour ce que j'en fais, je sais jouer au solitaire, mais ça s'arrête là. Papy, tu es sûr que c'est pas toi qui as cassé la porte? Ça restera entre nous. Ça t'arrive jamais d'aller dans une pièce et de te rendre compte que tu sais plus ce que tu voulais faire? T'as jamais rien égaré, rien perdu, toi? Tu sais tout ce que j'ai perdu. Je veux pas te perdre aussi. Shelby a raison. C'est de pire en pire. Bah ouais. Faudra un auxiliaire de vie. Tu as vaincu le cancer. Pourquoi c'est de l'AD? Tu peux encore te battre. Cette fois, c'est pas pareil. Les lieux, les dates, même l'école où j'allais. C'est comme si quelqu'un était en train d'empaqueter mes souvenirs dans des cartons sans prendre le temps de mettre des étiquettes. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait? Ouais, bah oui, le problème c'est qu'elle, ça la soulagerait. Et pour lui, par contre, c'est horrible, quoi. Bah, on va lui dire que ça lui et nous, ça nous soulagerait. Je sais pas. Ne plus se replonger dans le passé, ça peut avoir des bons côtés. Tu dois sans doute penser que je me suis bêtement fait des films. À vrai dire, moi aussi, il y a quelqu'un qui me suit, enfin, je crois. Quoi? Tout à l'heure, à la piscine, et ce soir, à l'appartement aussi.
Il m'a semblé voir quelqu'un. Mais je sais même pas si c'est vrai. J'ai l'impression qu'on perd la tête tous les deux. Bon sang. Zoé, écoute-moi. Tu as subi les pires épreuves quand tu étais petite. Perdre ton papa comme ça. Et je sais que tu te dis parfois que ça t'a rendu à moitié folle. Je suis au courant. C'est pas la peine de me le rappeler. Oui, je sais bien. Mais c'est ce que j'essaie de dire justement. Je pense pas que tu sois folle, au contraire. Parce qu'autrement, eh bien, pourquoi est-ce qu'on verrait tous les deux la même chose, hein? Papy? Alors soit on perd tous les deux la boule, soit... Soit quoi? Oh non, c'est pas possible. Voilà, confrontation ou pas? Pourquoi t'arrêtes pas de me suivre? Qu'est-ce que tu veux? Hop, esquive rotative. Ok, c'est bon, là on l'attrape là. Hop, esquive. Pas l'air aussi grosse hein, dans l'image qu'ils nous ont mis. Oh ma puce, ça va aller, je suis là. J'allais bien, merde. Mais non, il a suffi d'un petit truc et là, bam, tout m'est revenu en petit. On fait vraiment la paire. Moi, j'essaie de me souvenir et toi, tu essaies d'oublier. Pas que je veux oublier. Je veux juste arrêter d'y penser. Je sais pas quoi faire. Comment je fais pour échapper au passé alors que ça me hante partout où je vais? Je crois que la seule chose à faire, c'est d'oser affronter tes démons. Regarde les choses en face et essaie de les voir telles qu'elles sont. Si le passé te parle, il faut l'écouter. Et après ça, peut-être que tu seras enfin libre. Ah, c'est Jay. Ok, c'est ça, je me disais. Lui, c'est plutôt un good guy. Je pense qu'il allait prendre de ses nouvelles, quoi. Ou peut-être qu'il veut l'avoir pour s'excuser, ou quoi, pour dire qu'il a pas fait exprès et tout, enfin... Un peu plus. On aura une belle vue quand on sera monté un peu. Bah, il va surtout faire froid aussi. J'ai fait les deux rochers de Turok une fois. Rigole pas, c'était hyper dur. Allez, on a un long chemin à faire. Je peux te confier un secret? J'avais jamais quitté l'Arizona. C'est pas que je m'en fiche. Mais redis-moi ça quand je serai pas sur le point de m'évanouir. Tiens. Oh. T'irais beaucoup plus vite si je te ralentissais pas. J'irais nulle part si t'étais pas là. Putain,
Putain, elle va faire de la dé. Non, non, il faut pas qu'elle se blesse ou quoi. Putain. Beau travail d'équipe. Je comprends pas. Faut vraiment pas qu'elle se casse un truc là. Trempée. Mes jambes me font mal comme si j'avais fait du sport toute la semaine. Toi, on dirait le lapin de la pub. Tu t'arrêtes jamais. C'est quoi ton secret? Bah. Il a l'habitude, hein, pour le coup, il va tout le temps en forêt et tout. J'ai fait ça toute ma vie. Toi, tu t'y es mise après manger. C'est vrai. Ouais, t'as raison. Je vais finir par m'y faire. Oh. Heureusement qu'il fait beau et tout, hein, putain. Waouh. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Avant, parfois, ma mère et moi, on allait se balader dans le désert, au crépuscule. Quand il faisait chaud et qu'il y avait assez de brume, le soleil donnait l'impression de tout embraser. Comme une immense boule de feu à l'horizon. C'était mieux que ça? Avec elle, c'était différent, c'est tout. Hey, attends, tu saignes? Mince. Je m'en étais même pas rendu compte. Fais-moi voir. Voilà. C'est mieux. Heureusement, tu sais ce que tu fais. Bon. Bon. Comment bon. On fait pour passer la frontière? Il va falloir qu'on nage. Aïe, aïe. L'eau doit être froide. Assez même. Aïe. Ça fait du bien. Ça donne un coup de fouet. C'est encore mieux que le café. Voilà. Tu m'étonnes. Oh la dé. Baisse-toi. Vanessa. Non. Tu es là? C'est moi. C'est papa. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as seulement la moindre idée? Oh putain. Tu t'es enfui au juste? Il s'appelle Jay. Je suis au courant de ce qui s'est passé dans le motel. Et honnêtement, j'en ai rien à faire. Vanessa. Oh là là. Comment il les a... Ouais, c'est ça. Si t'es au courant, son téléphone. Tu sais aussi que c'est un meurtrier. Il a tué des policiers, Vanessa. Il va être condamné à mort. Tu sais absolument pas de quoi tu parles. Ouais, on va lui dire qu'il se trompe sur nous. J'ai rien fait du tout. Ils ont raconté n'importe quoi. Écoute, je m'en fiche de tout ça. Je veux juste récupérer ma fille. C'est hors de question, papa. Cette partie de ma vie est derrière moi. Oh la dé. Elle ne laissera pas tomber. On s'en tient au plan de base. C'est fini pour toi, Gerald. T'es en état d'arrestation sur ordre du FBI. Je dois reconnaître que t'as bien failli nous échapper. L'agent du poste frontalier aura bien mérité sa paye aujourd'hui. Je suis venu avec toute une équipe d'agents fédéraux. Ta cavale s'arrête ici, Jay. Je vous laisserai pas me condamner à mort. Oh la dé. Oh non, 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 non. Si... On va tuer quelqu'un, là. Putain, je pensais vraiment qu'on allait s'en sortir au calme. Ah oui, tire. Ah, il va se passer de la dé là. Allez, allez. C'est quoi du coup, ils l'ont traqué avec le téléphone de la fille sûrement. Allez. Putain, ils sont juste derrière la dingue. Il a un gun lui aussi.
Bon, allez, allez. On peut le faire. Oh mon Dieu. Oh bah. Et ensuite, on fait quoi? La frontière est là-bas. Juste derrière le lac. Il faut qu'on saute. D'aussi haut? Vanessa! Attends! Reste où tu es, papa! Si vous sautez, vous mourrez. Ah bon? Vous en réchapperez pas. Peut-être que si. Vous en savez rien. Vanessa, quoi que tu penses de moi, tu étais ma petite fille autrefois. Tu as dormi contre moi. Tu as marché sur mes pieds. C'était quand la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais? Je vais te donner un indice. Jamais. C'est vrai. Je suis pas doué pour ces choses-là. Et plein d'autres, je le sais bien. Après la mort de ta mère, j'étais perdu. Je vous disais une chose, vous faisiez le contraire. Plus j'insistais, plus vous me détestiez tous les deux. Et puis, t'as mal tourné. Je sais que tu me vois comme un monstre. Pourtant, je t'aime, Vanessa. Si tu dis qu'on peut survivre, je te fais confiance. Oh la dé. Mais on peut y aller maintenant, avant que je change d'avis. Tu dis qu'on peut sauter ensemble ou pas? Oh! Puisque si je saute sans elle, ça va être non, la plus grosse trahison. Mais en même temps, c'est risqué, puisque si on meurt, c'est une dinguerie. Est-ce que je saute avec elle ou pas? Christy, c'est un amour de jeunesse. Ouais, mais en même temps, elle a trop commis de sauter ensemble, je crois. Tant pis, ils meurent ensemble. Hein. Allez, hein. Roméo et Juliette. Hein. Ok, on saute à 3. 1, 2... Attends. Papa? Oui, ma chérie? Elle va l'insulter. Il y a mamie qui a un autre paquet de cigarettes sous l'évier. Non! Vanessa! Fais pas ça! Non! Oh la dinguerie! Non mais en plus ils sautent... Ils sautent genre sur le... Ils font un plat, ils font un gros plat, ça n'a aucun sens. Ils sautent en mode piqué au moins, je sais pas, non? Je sais pas. Ah, toi, ma chérie, je me fais du souci pour toi, appelle-moi. Vous êtes sûr que c'est là? C'est pas sur la carte des sentiers. Ça va aller. Merci. Ok. Ah, Alberta, Canada. Attends, c'est où elle trouve l'endroit où Jay est? Bah non, mais c'est bon, ça veut dire qu'on a survécu à la chute. Bon, c'est sûr. Bah oui, puisque déjà 14 ans. Ah bah non. Ouais, si, si. Ça devrait aller. Hey, Doudou. Roosevelt, qu'est-ce qui te prend? Il est là. Allez, let's go. Fais pas de bruit. Oh putain, qu'est-ce que... C'est toi, Zoé. Salut. J'étais même pas sûr que t'aies eu mes lettres. Une fois par mois, depuis mars. Tu sais que t'es toujours recherché par le FBI, n'est-ce pas? Comment tu m'as retrouvé? Grâce au bureau de poste. J'avais le numéro de ta boîte postale. Ils m'ont aidé à trouver le reste. Les gens sont plutôt sympas par ici. Oui. En effet. T'as tellement changé. Je savais bien que t'avais grandi, mais dans mon esprit, t'étais restée la même petite fille effrayée. Pff, il a pas l'air différent, lui. Si. Non, en vrai, il a pas l'air si différent que ça. T'es comme dans mes souvenirs. Plus vieux, mais... C'est ça. Pareil. Je vois ce que tu veux dire. Il y a des choses qui changent pas, j'imagine. Hey, viens t'asseoir. Il y a une chaise sur la terrasse. Et je te promets que t'auras pas besoin d'utiliser ton spray au poivre. Mais elle est où la fille là? Parce que y a Jay, mais ne me dis pas qu'elle est morte pendant qu'on a sauté. Là, ce serait une dinguerie ça.
Non, il y a deux chaises. C'est bon, c'est qu'elle est là. Non? Je sais pas. Sacrée vue. Je me disais pareil avant. Mais je l'ai beaucoup vu. Ça fait bizarre de te voir ici. J'ai tellement pensé à toi et à ta famille ces dernières années. Ouais, c'est ce que tu m'as dit dans tes lettres. Moi, j'ai tout fait pour oublier la tienne. Mais j'y suis jamais vraiment arrivée. Oh. Et la fille avec qui tu t'es enfuie? Oh putain. Est-ce qu'elle est toujours là? Non. Non, elle est partie. Hein? J'ai beaucoup de questions à te poser. La D? À propos de ta vie et... Lance-toi. On m'attend nulle part. Bah, où est Vanessa? Elle s'appelait Vanessa, c'est bien ça? Je peux te demander ce qui s'est passé? On est restés 6 ans ensemble, elle et moi. On dormait dehors quand il faisait chaud. On se faisait la lecture au coin du feu. Ok, dans tous les cas, elle est pas morte, quoi, c'est bien. J'imagine que la vie normale a fini par lui manquer. Je crois qu'elle habite en Californie maintenant. On aura au moins vécu de belles années ensemble. Ouais. Bon, ça va. Elle est partie de son plein gré, tout tranquille. On t'a déjà reconnu? Bon, on s'en fout de sa famille, je crois, lui. On va demander tu comment sais, il... Tout le monde te croit mort depuis que t'as sauté du haut de cette falaise. On a failli y passer. Je me suis évanoui dans l'eau. Vanessa m'a ramené jusqu'au rivage. Après ça, on a passé des semaines à marcher. On a eu pas mal de chance avec la météo, mais si on a tenu bon, c'est seulement parce qu'on était tous les deux. Non, on s'en fout, on t'a déjà reconnu, c'est nouveau la cicatrice. Voilà, on s'en fout, on va essayer de discuter. Dis, pourquoi t'es venu jusqu'ici, Zoé? T'as dit que tu voulais me parler? Je voulais que tu m'écrives. Mais t'es venu me voir. En personne. Pourquoi? J'arrêtais pas de voir ton visage. Dans mes rêves, dans la rue. Et? Et je savais que si je venais pas te regarder dans les yeux... Tu pourrais pas tourner la page. Si jamais tu veux en parler, je suis bien placé pour comprendre. Et je suis doué pour écouter. Bah non, on va dire lui... Cette nuit-là, quand tu m'as emmené à l'étage et qu'il y a eu une coupure d'électricité, tu te rappelles? Bien sûr. J'avais aussi peur que toi. À ce moment-là, tu m'as dit de pas faire de bruit. Et depuis, c'est comme si j'avais jamais cessé de retenir mon souffle. Alors que tout ce que je voudrais, moi, c'est crier. Crier encore et encore, sans m'arrêter. C'était juste pour éviter qu'on t'entende. Les flics approchaient et... Je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je sais. J'ai pas dit que c'était rationnel. Tu sais ce qu'on a en commun, tous les deux? Le destin nous a pas épargnés, tous les deux. Et on a passé notre vie à essayer de faire avec. Au fond... On se ressemble beaucoup, toi et moi. Bah, en vrai, Jay, il a rien demandé, hein. Il a été embarqué dans tous les trucs, hein. C'est... Jay, pourquoi tu t'es mis à m'écrire? Je te l'ai dit. Il y a beaucoup de choses dont j'ai jamais pu parler. Je sais. Mais pourquoi moi? Tu disais que tu voyais mon visage la nuit. Des fois, je vois le tien moi aussi. Après toutes ces années, j'aurais dû tourner la page, mais... J'ai jamais pu. Tu dois me détester. C'est normal, après tout ce que ma famille t'a fait. Réfléchissez bien. En vrai... Non, lui, je te le déteste pas. C'est vrai que sa famille, elle l'a détruit, je mais... Mentir, Jay. C'est
C'était pas facile pour moi d'être là. Ta famille a tué mon père. C'est ça. Bah ça c'est plutôt lui dans l'accident, mais... Tu as aussi veillé sur moi cette nuit-là. Ça non plus, je l'ai pas oublié, tu sais. Comment est-ce que t'arrives à me pardonner ? Faut pouvoir avancer, hein. Tu as du soutien ou la haine ronge les gens ? Ouais, la haine ronge les gens plutôt. Parce que si je m'autorise à te détester, je suis foutu. Je vois ce que tu veux dire. Jay, tu es sûr que ça va ? C'est elle maintenant qui demande. Non, mais. C'est elle qui fait des cauchemars et tout. Elle s'inquiète pas. Je me suis toujours dit que j'avais été entraîné dans tout ça malgré moi. Qu'en fait, c'était ma famille qui m'avait obligé. Que j'avais pas eu le choix. Mais. Et si j'avais tort ? Et si j'étais vraiment comme ça ? Tu crois que je suis quelqu'un de mauvais ? Est-ce que je suis malade ? Bah non, pas du tout. Tu as rendu à une petite fille sa chouette en peluche pour qu'elle arrête d'avoir... Ouais, c'est ça, je te jure. Je crois pas que c'est ce qu'aurait fait quelqu'un de mauvais, sincèrement. Je t'en souviens. Bien sûr. T'aurais jamais dû te retrouver là. T'étais trop jeune. Toi aussi. Il faut que je redescende à l'arrêt de bus. Attends, j'étais sur le point de faire le dîner. Tu veux manger ? Jay, je sais pas trop. Il y a du lapin. Et on a une vue magnifique ici quand le soleil se couche. Bon lapin. Bah, salut Vanessa, tu sais, maintenant ça va être avec elle. C'est délicieux. Je peux te montrer si tu veux. Je crois que j'ai un peu faim. Elle a 20 ans maintenant, elle. Ouais, je crois qu'elle a 20 ans. Non, si. Bah si, puisqu'elle avait 6 ans. Et c'est 14 ans plus tard, elle a 20 ans. C'est qu'on ne peut jamais vraiment échapper aux ombres. On apprend simplement à leur tourner le dos et à regarder la lumière. Ah mince, c'est vrai qu'elle devait aller. Alors que d'autres voient leur séjour sur Terre écourté. Pourquoi certains d'entre nous parviennent à tenir bon ? Oui. Mais non, Sharon est l'autre. Oh la dinguerie. Attends, j'espère qu'il est là aussi. Attends, mais montrez-moi le mec aussi. Allez, ok, ils vivent leur best life. Bon, au moins on a sauvé un couple, entre guillemets. Il y en a qui finissent bien. Ah, Dale, ouais, le pauvre lui, il s'est fait shooter pendant la fusillade. Mais une chose est sûre. Je ne fuirai plus les ombres. Personne ne me pourchasse. C'est ça. Personne. Il n'y avait que moi. Salut Zoé. C'est Papy. Dis, je repensais à notre conversation de l'autre jour. Tu sais, je t'ai dit qu'il fallait affronter ces démons et... Il y a quelque chose que j'ai jamais dit à personne. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va nous dire là ? Ce jour-là, à Turok, quand j'ai proposé qu'on prenne une certaine route, j'avais une idée derrière la tête. C'était pas la première fois que j'allais là-bas. Bah oui, ça on savait, ouais. Tout ce qui s'est passé après le Desert Dream et puis tout le reste, je crois que c'était ma faute. Je t'en prie, t'es pas obligé de faire ça. Tiens-toi tranquille, ça va être toi, compris ? Il peut tout prendre, c'est à Turok, dans la... Ah. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Amour sincère.
Ah, ça y est, c'est fini. Je crois, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de. Là, c'est le menu principal. C'était intense, c'est quoi qui s'est passé? Putain, ouais, je comprends pas pourquoi Vanessa, du coup, elle est plus avec. Ouais, mais puisque. Compatit avec Jay. Sharon, ça, c'est cool, ça. Enfin, c'est cool. Au moins, lui, c'est pour lui que je suis content. Elle, je m'en fous. Mais lui, je suis content puisque c'était un good guy. Et genre, je voulais pas qu'il lui arrive de la merde. Je me dis que s'il était resté, il aurait fini à boire de l'alcool tout seul et tout. Genre, il serait passé de la D. Là, au moins, il a fui avec une femme. Et maintenant, il a de l'oseille. Et en plus, il a son chat. Bon, il a pas l'air d'être heureux là, mais ouais. Lui, il est en prison. Tant mieux, on s'en fout. Michel s'en est sorti indemne. Ok. Michel fiancé avec Craig. J'espère juste que c'est pas le mec avec qui elle parlait au téléphone, son prof ou je sais pas quoi là. Vince est mort. Ouais, ça c'est triste, putain. Ah, c'est. Ouais. Mais vraiment, je comprends pas le. Pourquoi on a atteint les frontières, elle est contente, arrivée au parc national, traquée par la police, c'est ça. Genre, il y avait une autre issue ici. J'aurais pas été traqué par la police. Je sais pas. Ah! Non, peut-être que en fait, j'aurais pu faire mourir Jay, en fait. Peut-être que si j'avais fait un autre choix, Jay serait mort et ce serait arrêté ici. Mais là, au final, on a réussi à le faire arriver au Canada, je pense. Je pense que c'est un truc du style. Destin de Jay. Jay est resté au Canada. Ok. Alors, pour le coup, non, ok. Il y avait plusieurs destins, lui. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok. Il aurait pu finir en prison, je pense qu'il aurait pu finir mort, il aurait pu finir. Ouais, ok. Bon bah, on va retourner au menu principal. Mais je crois que c'est fini, on a fini la scène. Ouais, c'est ça y est. Ouais, on a fini l'histoire pour aujourd'hui. Et du coup, va falloir. Trouver un autre jeu. Je sais pas encore sur quel jeu je vais me lancer. Bon, je pense, enfin, on va essayer de repasser sur un jeu, comment dire, un petit peu avec de l'action ou quoi, quelque chose quoi, où il y a des pas juste une histoire. Mais en tout cas, c'était cool. Je trouve c'est un bon jeu à faire. Il est sur le Xbox Pass si jamais ça vous intéresse. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la série et on se retrouve pour un nouveau jeu à partir de demain sûrement. Merci à tous et bonne journée à vous.